Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la série Foundation. Alors vous voyez, j'ai fait passer un petit peu de temps, voilà, j'ai fait construire, juste passer du temps pour que les bâtiments avancent. Ça a pas vraiment fait, ça n'a pas vraiment changé grand chose. Peut-être quelques nouveaux arrivants, mais voilà, deux fois rien. Alors. On peut voir qu'au niveau du bois, j'en ai plus beaucoup. Plus beaucoup de bois, hein. Forcément. Forcément. J'en ai beaucoup utilisé pour l'église et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ainsi que pour le manoir du Lord. Donc on va acheter notre premier terrain. Voilà, on va commencer par ce terrain-là. Ah, il a découvert. Du fer, il a découvert du fer, très très bien. On va le renvoyer. Hop. Et on va créer un deuxième lumber camp. Un deuxième camp de bûcheron, voilà qu'on va mettre là-bas. Parfait. Et on va y extraire de tout ce qu'il faut. Voilà, on dessine, on dessine. Voilà. Je dessine comme ça aussi dans la réalité, hein. C'est un très très beau dessin. Comment ça, non? Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Un nouveau villageois, c'est parfait. Alors, je vais essayer de le mettre en priorité, lui. Avance bien, l'église. Bon, je me demande pourquoi ils mettent des pierres comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon, certes. Soit. ouais, ça c'est une maison qui est. Qui met du temps à se construire. Ouais, je manque de bois forcément, parce que j'ai un charpentier qui utilise tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mon charpentier utilise tout le bois. Donc je vais mettre en pause d'ailleurs le temps de. Quoique. Si, si, je vais mettre en pause. J'ai presque ce qu'il faut en bois. Pas d'accès au confort. Bah ouais, tu m'étonnes, les pauvres. Leur maison, ils sont en construction, mais. En plus, le bois est en moins. Ça rend un peu moins efficace le camp de bûcheron. Ouais. Ouais, mais on voit que ça se construit quand même. C'est le principal. Ah, mais j'ai deux. Hop. On va mettre ça en transporteur comme pour Carpenter. Impeccable. Voilà, une des maisons est faite. Une maison a été construite. Ici, c'est pour bientôt. Là, ça prend son temps. Mais en même temps, je suis obligé d'acheter. Je sais même pas si j'ai. Voilà, j'ai le dernier villageois. On va mettre au transport de nourriture. Et voilà. C'est fou, ça se construit vite, ça. Par contre, toujours pas d'outils. Toujours pas d'outils. Il serait temps d'en. Il serait temps d'en acheter, hein.
Stockpiling prevents the manager from using stored resources. This can be helpful for big projects or quests. Ah, non. Non, j'ai bien mis acheter, j'ai pas mis vendre hein, quand même. Ouais, bye. Alors, même prendre 50, de toute façon, on n'aura jamais trop. Mais il faut attendre hein, que. Ah bah oui, c'est ça, il faut que je débloque ma route commerciale, je suis couillon. Sinon, je peux toujours les attendre, les. Ah, je peux toujours attendre le mec, hein. Voilà, bon. La maison a été construite. C'est tout ce qu'il fallait. Dès qu'il y aura 20 planches, je pourrai débloquer voilà. Ah, j'ai gagné un territoire gratuit en plus. C'est juste parfait. C'est juste parfait. J'ai débloqué celui-là. Alors ça, du coup, je vais le décaler. Je vais le décaler, je vais le mettre genre vraiment en plein milieu là. Hop, là on peut voir que c'est ici. Voilà, je le mets en plein milieu et on peint tout. Zoom, 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 zoom. Voilà, on veut plus de bois. Tout là, on veut plus de bois. Alors. J'ai un peu le voisinage qui s'est collé ici, on peut voir à mon manoir. Pas ouf. Ils ont un peu fait fort. Bon, c'est pas grave. Je suppose que ça va être un peu pareil avec l'église. Ouais, ouais. Ça va être très collé. C'est pas bien grave. Il y a vraiment un truc paumé. Voilà, ici. On va le mettre en priorité. Et on va enfin pouvoir importer des outils. Et. Bon, le souci étant maintenant, c'est que bah, ça rapporte pas beaucoup. Hein, le marché, il me rapporte pas non plus des masses, c'est normal. Et ce que je vais faire, bah, c'est que je vais vendre des choses. Donc, entre autres, de la pierre polie, des planches et des baies. Donc, ressources. 50. Je vends. Pierre poli, 50, je vends. Et des planches, 50, je vends. Voilà. Elle me dit, oui, mais c'est bien, mais tu vends des pierres polies, mais t'en produis pas. Oui. Tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Donc je vais faire un. Voilà, quelque chose pour polir les pierres ici. Promotion available. Allez, on promouvoit. Je crois que c'est ça. Promouvoit tout le monde. On fait la promotion de tout le monde. Voilà. Ça marche bien. Ah, bah également de cela. Ah, il en manque un. Voilà. Donc, il devrait y avoir des maisons, je suppose, qui vont se construire également encore. Ah, d'ailleurs, je vais pouvoir augmenter un peu la zone résidentielle. Voilà. Ouais, il y a de la place pour construire là. Jolis arbres en tout cas. Lumber can build. Ah, faut le retrouver. Il est où? Ah, ça y est. Voilà, on envoie les trois. Là, on est bien. J'ai un envoyé qui approche du village. Il veut du poisson, mais du poisson, je n'en ai pas. Hein. Je sais qu'il y en a. Sur cette carte, il y en a. Ah, voilà, il y en a ici. C'est un peu plus loin.
Non, tiens, on n'a pas là. Voilà, il y en a ici également. Il y en a même là. Il n'y en a pas trop trop loin. Si tu as un petit peu d'accès à la rivière et ce sera bon. Ah, j'ai acheté, ça se voit, j'ai acheté les outils. Vous voyez mon argent. D'un coup, il a fait vite. Oula. Mais j'ai ce qu'il faut pour construire, ça c'est au moins une bonne chose. Je vais devoir faire une autre warehouse. Pour y stocker les pierres polies. Ouais. C'est un peu un peu chiant, mais. Voilà. Bon, l'église qui se construit très vite là. Zoom. Il manque quelques planches. Voilà, et là, ça va se faire tranquillement. Stone maçon, build, impeccable. Ah, c'est quand même 10 pierres pour. Ah, je sais pas si c'est une par une. Ah, une pour une. Ça va. Niveau nourriture, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de nourriture. On n'en produit pas assez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement mettre. Voilà. On va en produire un peu plus. Ok, il a retrouvé un dépôt de fer. Enfin, une mine de fer, je sais pas si on peut appeler ça. Comme ça. Ok, ça doit être un nouvel arrivant. Un nouveau arrivant. Y a pas une nouvelle habitation? C'est bizarre. Bon, pourquoi pas? A presque tous les matériaux, ça c'est bien. Non, on peut start. Gathering burn. Voilà, on va pouvoir produire un peu plus de nourriture. Alors, il y aura du blé, donc du pain à plus long terme, mais là actuellement on n'a que ça. Les pauvres, il doit avoir une de ces chiasses carabinées à la fin de la journée. Oh, j'imagine même pas. Pierre poli. Voilà. Et on va signer une personne, un villageois. De toute façon, il n'y a qu'une seule ressource, pas besoin de plus. Heureusement, je me fais un peu d'argent grâce au trade. Bon, là, on voit que j'en perds parce que j'ai énormément acheté de d'outils. Mais ouais. Ça reviendra, ça reviendra. Ok, on voit la production de baies qui réaugmente. Enfin, le nombre de baies disponibles qui augmente. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il fait? D'où il vient? Il est parti couper du bois là-bas? Non. Ah, ça doit être équivalent au niveau distance entre là-bas et là. Pourquoi pas? Je suis en train de me dire le terrain que je vais débloquer sera seulement sûrement celui-là. Pareil, je raserai tout et je ferai une ferme. Enfin, je raserai tout, je retirerai tout le bois et je ferai une ferme.
Bah oui, tout simplement parce qu'il me faut du blé, hein. Mais ça restera pas très très loin des maisons. Donc ça commencera déjà à faire, hein. Je me demande si ce sera pas mieux ici, pour faire la ferme. Ouais, le mieux ce serait là. On n'est pas très loin du lumber camp. Ouais, les traders qui va acheter des choses. C'est bien ça. M'achète des ressources, on voit, ça se voit, niveau argent, là je suis bien. Niveau trade market, ouais, market 54. J'étais à moins 51 il n'y a pas longtemps. Allez, il reste un arbre. Et il reste pas grand chose de construction sur l'église. En parlant de construction, je fasse un point. Ça en a. J'ai pas encore besoin de charbon. On verra plus tard. Tout ça, j'ai pas besoin. J'ai pas encore besoin. Ah, il y a vraiment ces trois bâtiments là. Allez, je vais attendre l'église. Là, il y aura le village. Hein. Dans tous les cas, ce sera le village. Quoique, je peux le faire ici, le champ en soi. Ça éviterait d'acheter une case. Vous savez quoi, on va faire le champ ici. Voilà. On va quand même préparer les zones résidentielles en disant que grosso modo, je pense que tout ça. Tout ça sera à terme de la zone résidentielle. Voilà, là je peux même. Pousser aux limites. Voilà la zone résidentielle. Alors, par le dessus. Ouais, c'est pas très très. C'est pas un bel art de cercle. Hein. Alors là, le truc qui vient comme ça. Voilà. Je pense que ce sera pas mal. Pour promouvoir mes nouveaux arrivants. Oh, alors là, s'il n'y a pas de la maison qui se construit, allez, bingo. Une ici. C'est fait. Lui, ah ouais, c'est ça, il dit bonjour à l'église. Ils sont pas loin, hein, le jour de la messe. Il dit, bon, bah, on va faire la messe. Ouais, c'est bon, on y est. Je l'entends de l'autre côté du mur, c'est bon. Voilà, on va mettre ça là. Je pense que ici on est bien. Ne me trompe pas, ouais. Quatre nouveaux villageois. D'ailleurs, ça va demander un grenier également. Vous savez quoi, le grenier, je vais mettre là. Faut bien cacher les pierres, hein. De toute façon, elles ne vont pas servir. J'ai bien priorisé ça. Ah, il y a une maison ici que j'avais pas vu, elle est cachée. Access to confort. Ouais, pas d'accès au confort. Ça va arriver, ça va arriver. Ils sont en train de se construire les maisons. Ils sont en train de se construire. Soyez patients. A monk is approaching your village. Ok. Sais pas ce qu'il va vouloir lui encore. Donnez-moi quelque chose, du poisson. Ouais, je sens bien le poisson, la ressource que je n'ai pas.
En parlant de ressources, c'est bon ou la baie a encore baissé? Elle a du mal à se stabiliser pour en même temps. 44 de population qui bouffe que de la baie. Fait une belle prod. Ça fait une très belle prod. Ah tiens, on verra ça juste après pour le débloquer. Et je vais faire ici, voilà, deux camps de cueilleurs. De cueilleurs, ouais, voilà, je cherchais le mot, il me semble. Comme ça, on sera bien niveau, niveau nourriture, je pense que là, on sera impeccable. Les maisons se sont construites. Ouais, ça a l'air, hein. Un monk request, tu vois. Un audience. Tool. Ah, tu fais chier. Non. Ah, parce que c'est pas donné, hein. Wooden keep, wooden wall. Ok. On va débloquer des constructions, mais c'est de la déco après. Ah non, wooden keep, c'est ça. Un endroit d'entraînement. On va construire, je pense, ici, en périphérie de la ville, donc il faudra un peu, là où il y a un peu de place. Alors, ici, c'est mieux, hein. Voilà, on a un joli petit toit. Ça coûte cher. Wow. Ça coûte cher en planche. Ouh. Il va récolter si loin, lui. Ah, juste là. Bon. Oh, j'ai loupé quelque chose. Mais... Ah, ça y est, ça construit. Ça manque encore un peu de tout, mais. S'il vous plaît, faites un effort, les gars. Tu mets pas une porte comme ça. Ah, le Builder Workshop, il est loin. Je crois que je vais pas avoir grand-chose à construire ici. Ok, il a trouvé du quartz, où ça? Encore ici, la vache. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais construire mon Builder Workshop, mais que cette fois, je vais le mettre là. De manière temporaire. Ça fera moins de trajet pour se déplacer du chantier à l'atelier. Je pense que vous vous doutez, hein. Ok. Vincenta is bringing 5 tolls. Ok. Voilà, t'as moins de chemin, donc. On voit les petits chemins naturels d'ailleurs qui commencent à se tracer. Là, c'est vraiment de la terre, hein. C'est pas pavé. C'est dommage. Ça, c'est construit ou pas? C'est bientôt construit, ça va me coûter une blinde d'entretien, c'est ce que je voyais tout à l'heure. C'est que je vais devoir fermer certaines parties parce que ça va me coûter une blinde, mais un bras en entretien. Quoique tu me diras. Ouais, non, je fermerai genre deux trucs.
En vrai, je sais même pas si je peux les fermer individuellement. Serait couillon ça. Parce que bon, 230, 223 de maintenance par tour, c'est cher quoi. Ça se construit bien, ça se construit bien. Un manque de planches. Ah, mais ils ont tout utilisé là-bas, mais. Arrête, mets une prio ici. Mets une prio là aussi. Oh la vache. Ah ouais, je manque vachement de ressources. Enfin, je manque beaucoup de nourriture. Ok. The weekly recruitment amount of gold. Ah ouais, quand même. Pas donné. Hein. Est-ce que je peux couper une seule partie, hein? C'est ce que je voulais voir. J'ai l'impression que non. Ah ouais, on peut changer la taille et tout. Bonjour, s'il vous plaît, je veux juste couper là. Je vais les rendre inaccessibles, on les oublie, non? Mince. Ça marche pas comme ça. What? Mais pourquoi? Ah bah si. Ah ouais, mais non, de temps en temps, ça manque de. D'accord. Il n'y en aurait pas ici un peu de nourriture? Ah non, elle est là. Vivement le ping. Promotion available. C'est parti, mon kiki. Et cette maison qui se construit. Très bien. Voilà, on va y assigner un petit terrain de plantation. Voilà, je pense genre comme ça, c'est parfait. Je pense que là déjà c'est un beau champ. On y assigne du monde. On y assigne des employés. C'est plutôt bien. Alors on va faire un grenier, on va refaire un grenier de baie. Ça en fera deux. On va voir si on va le garder celui-là à terme. Et je vais refaire un stone maçon. Je pense que niveau pierre, je suis clairement suffisant. Alors. Voilà. Surtout, je vends les pierres, donc ça qui est intéressant. Access food. Ah. Manque de nourriture. Voilà. Il est bientôt fini. On va mettre en priorité. Ça, c'est clairement pas une priorité là, la baraque. Voilà. Je pense que niveau nourriture, je suis bien pendant un petit moment. Granary build. Alors, granary, tu auras du blé, tu auras de la farine, hein, forcément. Et du. Non, pas du pain, des baies. Ouais, d'ailleurs, c'est pas bête ça. Peut-être falloir que je fasse mon moulin.
Ça peut aider. Voilà, juste en face. Pas besoin de faire non plus un déplacement de fou entre la ferme et le moulin. Ce serait pas rentable. En tête, tu vois, il y a assez du monde. Voilà. Bien évidemment, on priorise le moulin. Et on va enfin faire une bakery. Une boulangerie. Et je vais rajouter. Je sais que la boulangerie a besoin d'eau, je vais rajouter un puits à ce niveau-là. Impeccable, et dès qu'il y aura une personne supplémentaire, on va lui dire de tailler la pierre. On va voir qu'est-ce qu'il veut. Wood. Ça peut le faire. J'ai besoin de quoi, moi? Kingdom. 60 jours pour lui donner 50 de bois, et si je lui donne 50 bois. Il va être content. Hop, c'est fait. Manque de service. Attends, t'as vu la taille de l'église? Tu vas pas me dire que ça manque de service, toi. Bon, j'ai besoin de nouveaux arrivants. Ils veulent pas arriver encore. Voilà, là on voit ça. Méchant se plante, ça c'est pas mal. Regardez-moi ça. Hop, ça sème de partout. C'est parfait. Et vu qu'ils habitent pas très loin, bah ils vont pouvoir plus travailler. Ah, c'est bête, hein. Simple, efficace. Voilà, stone maçon. La boulangerie, voilà, qui se fera également. 20 outils. Pas donné. C'est vraiment pas donné. D'ailleurs, ils ont pas besoin de maison, là. Non, parce qu'il y a plein de personnes qui travaillent, mais ils ont pas de piolet. Ah! Ouais, d'accord. Nous worker assigné. Ah. Ah, mais c'est normal. Ok, la taille du champ est adaptée, je trouve. On va peut-être même pouvoir avoir une première récolte avant que le moulin soit. Soit prêt. Ah, ça pousse, hein. Ça pousse plutôt pas mal. Ils s'occupent bien des champs, eux. Ils sont efficaces. Je dis bravo, faut les garder. On a trouvé un dépôt de fer encore. Ça manque de marbre. Le moulin. Oh, joli moulin, joli, très joli moulin.
Un tout petit peu avant la. Avant la récolte. On va les assigner de suite. Hein. Même si bon, matériaux, ouais, c'est normal. Sais pas combien ça peut récolter ici d'ailleurs. On va voir. Qui se construit aussi, ça c'est impeccable. Ouais, voilà, ça commence à récolter. Je sais pas, ouais. On va regarder comment ça. Comment ça récolte. Ok, 8. Bah, 8 qui sont immédiatement envoyés au niveau du moulin. Il habite loin lui. Ah non, il a la maison la plus loin lui. Purée. Sérieusement, déménage, je sais pas. Au bout d'un moment, c'est pas con. C'est où ça? C'est pas vrai. Plus couillons les uns que les autres. Allez, dégage. Employé Edgard, qui habite à 67 mètres. Et pas à 116! Putain. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait un puits. On est bientôt fini ou... Quand que ça se passe? Bah, il tenait à son métier lui. Hein. Ah bah oui, bah fallait déménager. Où est-ce qu'il est? D'accord. Et promouvoir tout le monde. Ah voilà. Une maison assez proche. Une autre maison proche. Je sais pas où est-ce qu'il travaille, il est vraiment en plein milieu de... La boulangerie, la boulangerie, la boulangerie, elle est bientôt terminée. Ça y est, ça y est. Et ouais, regardez, il travaille à 5, il habite à 52 mètres. Ça, c'est un bon, ça. Comme eux, là, où est-ce qu'ils crèchent? 107, un peu loin, ça. 112, ah ouais, bon, après, ils sont très loin de tout. Ouais, jusque là c'est bien. Ils vont pas semer un peu plus? Ah, c'est dommage. Hop. Voilà.
compris, bientôt, mais toujours pas. Ah, et là, pareil, bientôt fini, hein. Ah, si, voilà, ça continue à semer, c'est bien ça. On va bien semer. C'est parfait. C'est parfait. Bien fait, pas plus. Ah, je suis pas dans le bon côté, dans le bon sens. Viole du pain. Hélas, j'en produis pas encore. Tu es arrivé un petit peu trop tôt. C'est dommage. D'ailleurs, là, je vais mettre un deuxième stand. On va y faire du pain. On assigne deux boulangers. Ah, il y a une pioule là. Peut-être les mecs qui travaillent au moulin. C'est pas mal tout ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Le blé pousse bien. On a du pain. On a fait notre marché. Je vais totalement zapper. Voilà, on va y mettre quelqu'un à vendre du pain. On a débloqué ce nouveau territoire qu'on va peindre en bleu. On ne veut plus rien dessus. Sur ce territoire, qu'est-ce que je vais y faire? Déjà, pourquoi? Ça rapproche de l'extraction des minerais qui sont par là. Et surtout. Surtout, je vais y faire tout ce qui est élevage, voilà. J'avais totalement oublié comment on disait. Allez, je construis une extension. Ça fait combien? Ça fait 10. Voilà, je construis une extension là qui servira de dortoir. Et ça sert de rien du tout. Hein. Ouais, mon gros, ce sera juste un dortoir. Ok. Ah oui, c'était si loin que ça. Hein. Ah, il y a du fer juste là. Oh, on est vraiment à côté du fer. Storage full. Ah ouais? Ah oui, c'est en pierre. Ouais, bah c'est normal. C'est normal, c'est normal. Voilà, et on embauchera une dizaine de soldats. Oh là, ça récolte bien, ça récolte bien, bien, bien. De blé pour une de farine. Oh, et la vache, c'est pas donné hein. Ah mais 4 pains pour une de... Ah ouais d'accord. 4 pains pour un eau et une farine. Ah ça je comprends. Ah il a trouvé de la pierre. Il a trouvé de la pierre ici. Donc ce qui fait qu'on décalera tous nos trucs de pierre, c'est très bien. C'est vraiment très bien.
Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais peut-être tourner un peu. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Sur ce, c'était Thiob. Ciao!